The study of madness is a mirror of how society has come to view and define itself. Aucune maladie n'a été plus représentée que la folie. C'est une maladie qui inspire celui qui peint la folie et qui inspire aussi le fou. Madness is a really key theme in culture, extravagant and shocking and supernatural subject matter. Des univers tout à fait fantastiques liés à la folie, enfin au chaos des formes. Monsters and multiplication of heads, these are all delusions that are actually experienced by mad people. Certains de ces artistes étaient des visionnaires. Est-ce qu'ils étaient fous pour autant? In the early 20th century, people start to look at the art produced by psychiatric patients. Tous ces artistes de l'art brut, il y a une véritable coupure, un fonctionnement psychique qui n'a rien à voir avec le nôtre. On peut spéculer sur les transformations que ça induit dans l'esprit de ces patients. Une libération de certains comportements non conscients, répétitifs, automatiques. Their expression goes from their brain down their arm to their hand to the paper without stopping. Ce qui sort de cette expérience-là, c'est magique. C'est une grande œuvre d'art. The more we know, the more we realize what a beautiful, amazing thing the human brain is. The complexity, the elegance. History shows us that people have pushed art and vision and creativity forwards are people who have been forced to see life differently. Whether we call a person an artist or a madman matters little. What is essential is that the creative freedom of both is maintained and protected, and that within our society a way is kept open for those unique and courageous individuals who seek to descend into the darkness to search for themselves.